Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Web TV indépendante Le Média. Nous sommes le 19 décembre 2019. Vous regardez le 11e épisode de Marche ou Grève, la quasi-quotidienne reconductible que nous avons lancée pour suivre et accompagner le mouvement social en cours. Anne de Bréjas, tu es chercheuse au Centre d'études de l'équilibre entre l'offre et la demande à EDF. Tu es membre de Sud Énergie et ingénieure de recherche chez EDF. Tu as travaillé sur un projet de réforme alternatif à celui du gouvernement qui part d'une idée simple et parlante pour tous, une retraite pour tous à environ 2000 euros net par mois, voilà, qui est clair. C'est une idée qui n'est pas techno et qui commence à circuler déjà dans les petits milieux et qui va, à mon avis, faire son bout de chemin, peut-être parce qu'elle est exprimée de manière pas technocratique et donc accessible à tout le monde. Ça, c'est à la mérite de la lisibilité, de la simplicité et de l'universalité. C'est d'abord important de dire cette réforme, vraiment, il faut s'y opposer par tous les moyens parce que ça va ne nous apporter que de la pauvreté et de la précarité pour les personnes âgées, alors qu'il n'y a pas de problème, alors qu'il y a d'autres solutions. Bon, une solution simple, ça serait d'augmenter les cotisations vraiment de manière minime, simplement pour prendre en compte le fait que la proportion des retraités est plus importante dans la population et donc il faut y consacrer un peu plus de richesse. Ça, c'est une première solution. Il y a une deuxième solution plus progressiste qui est un peu ce que dit Thomas Piketty, qui est de dire il faut réfléchir à un autre système où on réduit les inégalités pendant la retraite. Et puis il y a le système plus radical. Alors je dis pas que ça va se mettre en place du jour au lendemain ni que c'est la seule solution, mais je dis qu'il faut, ça doit être mis au débat, de dire, écoutez, vous voulez un système universel, vous voulez un système simple et un système juste, il y en a un, c'est la même retraite pour tout le monde. Alors, pourquoi la même retraite pour tout le monde? On pourrait dire simplement une retraite minimum, et puis ceux qui gagnent plus, tant mieux pour eux. Le problème, c'est qu'on est dans une phase de catastrophe écologique, on le sait qu'il va falloir limiter la production et la consommation, qu'on ne va pas pouvoir avoir une augmentation à l'infini de la croissance et du PIB. Et donc, s'il y en a qui gagnent plus, d'autres vont gagner moins. Enfin, c'est mathématique, hein. Sauf si on accepte d'augmenter indéfiniment la production. Donc, c'est pour ça que nous, on pose. Alors après, il peut y avoir des variations, on peut se mettre d'accord là-dessus. Mais c'est un débat à avoir. On nous a toujours dit... mais c'est marrant parce que tu reprends aussi ça, et c'est sûr que c'est un débat à avoir. La seule chose qui compte, c'est d'avoir un taux de remplacement par rapport à son salaire, c'est-à-dire de prolonger son niveau de vie dans la retraite. Et donc, en gros, si on a bien été payé, on aura une bonne retraite. Et si on a malheureusement mal été payé pendant sa vie, si on a eu des boulots précaires, mal payés, smicards, etc., c'est normal qu'on ait une retraite de misère ou éventuellement un minimum qu'on dit aujourd'hui à 1 000 euros qu'on n'arrive même pas à imposer. Bon. Il faut peut-être revenir là-dessus, quoi. Moi, je veux 2 000 changer. Euros pour tous, exactement. Au moins. Moi, honnêtement. La fameuse question, comment tu Et parce que justement, je pars de la richesse nationale, ce qu'on appelle le PIB. Donc, je prends toute la richesse nationale, j'enlève, ce qui est expliqué par des économistes aussi, ce qui sert à financer les services publics, ce qui sert à remplacer ce qui a été usé, donc l'amortissement des biens. Et là, on a le revenu disponible. Qu'on divise par le nombre d'adultes dans le pays, et là on trouve 2500 euros pour le PIB, le produit intérieur brut de 2018. Voilà, 2500 euros. Alors on pourrait dire, on dit ces 2500 euros, tout compris, revenu du capital du travail, on va dire que c'est ça la retraite. Bon, je dis 2000 euros, mais c'est à discuter. Je me dis, il va falloir financer plus des services publics. Aujourd'hui, on voit que les services publics n'en peuvent plus. Je pense que l'avenir, le progrès social, c'est aussi d'avoir de très bons services publics de qualité, et notamment des services publics de la dépendance. Ça, c'est aussi pourquoi les gens ont peur aussi de pas avoir assez à la retraite. C'est parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de services publics de la dépendance, et donc ils se retrouvent confrontés à devoir payer des maisons de retraite qui sont hors de prix. Il y a le business des EHPAD. Il y a le business des EHPAD, voilà, extrêmement juteux. Donc là, il faut absolument mettre en place ce service public de la dépendance. Puis il y a d'autres choses, financer la transition énergétique. Donc peut-être qu'il faut diminuer un petit peu. Il y aura aussi un revenu d'épargne des retraités qui existe, qu'on ne va pas supprimer du jour au lendemain, même s'il est minime. Donc voilà, j'ai dit, on passe de 2500 à 2000, peut-être qu'on ira à 2002, mais enfin, c'est de cet ordre-là. Et si on fait comme ça, mais par nature, c'est équilibré, ça. C'est-à-dire qu'on part, et puis évidemment, on l'indexe, on le fait évoluer à la même vitesse que la richesse nationale. Donc par nature, à condition de consacrer aux retraités la part qu'ils représentent dans la population, on a un système équilibré. On a un système équilibré, mais est-ce qu'il profite
à tous les retraités. Quel est le revenu moyen ou médian du retraité aujourd'hui? Est-ce que ça va faire grincer des dents? Aujourd'hui, le revenu moyen du retraité, il est en dessous de ça. Hein. Il est, alors, la retraite moyenne, je crois qu'elle est autour de 1 400 euros. Si on rajoute les reversions, etc., le niveau de vie moyen des retraités est autour de 1 700 euros. Alors on dit, oh là là, c'est pareil aussi, on nous dit, mais vous ne vous rendez pas compte, les vieux, ils gagnent beaucoup trop. Les retraités, ils ont un niveau de vie beaucoup nettement supérieur aux actifs. Vous trouvez ça normal? En fait, l'écart, il est minime. Enfin, c'est 6 7 %, quoi. Donc, oui. C'est pas ça le problème. Mais donc, voilà, c'est plus que la moyenne, mais c'est surtout, aujourd'hui, il y a 75% des gens qui ont moins de 2 000 euros de retraite. Donc, pour 75% des personnes, ça va être positif. Alors après, et pour les autres, les 25% restants, ils sont à combien environ? Ils sont juste au-dessus de 2 000. Je crois, de mémoire, il y a 87% des gens qui sont en dessous de 2 500 euros. Donc après, ça continue, mais voilà, l'essentiel des gens est en dessous de 2 500 euros. Et donc, il y en a par contre qui gagnent très bien leur vie. Moi, honnêtement, je suis cadre, j'ai un bon diplôme, j'ai la chance d'être du bon côté de la barrière, et donc je vais y perdre à titre personnel. Je vais y perdre financièrement, mais enfin, je vais y gagner dans le sens où je saurai qu'à 60 ans, quoi qu'il se passe, quelle qu'ait été mon histoire de vie, je sais que j'aurai une retraite décente. Ça sera peut-être pas l'opulence, mais enfin, je pourrais vivre correctement avec des services publics corrects. Moi, je pourrais faire ça. Je sais que mes enfants auront accès à ça, que mes parents, que ma famille, que mes proches. Et ce que je vais perdre financièrement, honnêtement, je vais gagner en sérénité. Alors, Julien, tu demandais en quoi l'idée de Anne s'articule avec celle de Bernard. La différence fondamentale, hein, c'est que pour lui, il y a une qualification qui se poursuit à la retraite, donc il y a des retraités plus qualifiés que d'autres, et donc ils vont avoir, alors lui il appelle ça un salaire, hein, enfin moi, peu importe qu'on appelle ça un salaire ou une retraite, supérieur aux autres. – Ce que tu proposes est plus égalitaire. – Moi c'est beaucoup plus égalitaire, et en fait je ne comprends pas, si je reprends l'exemple de la femme de ménage, pourquoi elle serait plus qualifiée à la retraite que moi, hein, elle va faire la même chose, ou je ne sais pas ce qu'elle fera, mais peu importe, pourquoi elle serait moins qualifiée, excusez-moi. Et donc pourquoi elle serait moins payée? Et moi en fait c'est ce qui me gêne dans le système que propose Friot au-delà de la retraite. Hein, c'est cette qualification où il parle d'un rapport éventuellement de 1 à 4 des salaires. C'est-à-dire que c'est important, Friot, quoi, dans son esprit, maintient une forme de différenciation sociale. Absolument, oui. Liée à la place dans la division du travail, au degré de qualification. Oui. Pendant la vie active, effectivement, on peut avoir le débat. Enfin, moi, j'ai une position, alors là, pour le coup, personnelle, qui est de dire que rien ne justifie que des gens gagnent même 4 fois plus que d'autres. C'est beaucoup 4 fois plus. Enfin, je veux bien qu'on dise que c'est rien, mais enfin, 4 fois le SMIC, c'est pas du tout la même vie que le SMICard. Et encore une fois, on est à enveloppe fixe. On pourrait se dire, ceux qui gagnent beaucoup, tant mieux pour eux, après tout, s'il n'y a pas de bas salaire, sauf que c'est lié. C'est lié puisqu'on est en enveloppe fixe. Donc, il y a des choses intéressantes dans ce que propose Friot, notamment que son salaire ne dépende pas directement de l'employeur, qu'on ne soit pas soumis, exposé comme ça au chômage. Par contre, moi, le fait qu'une personne à vie ait une qualification qui gagne beaucoup plus que d'autres, et surtout si les échelles de salaire sont importantes, ça me pose un problème. Mais c'est vrai que pour arriver à une égalité totale des salaires, c'est très compliqué parce que il y en a qui seront plus compétents que d'autres, plus efficaces dans leur travail, plus investis, plus rares exactement, plus employables, etc. Mais sur les retraites, mais dans le monde testé auprès de personnes qui vont perdre et qu'est-ce qu'elles ont dit? Écoute, alors je ne sais pas si on a un échantillon représentatif, mais globalement, elles sont plutôt très très favorables. Alors après, nous, on a quand même un prisme, hein. Mais en particulier chez les jeunes qui ont bien conscience qu'on ne va pas pouvoir augmenter la production indéfiniment et que donc il va falloir que ceux qui aujourd'hui ont la possibilité de consommer plus réduisent un peu leur consommation, pas pour une question morale, mais simplement pour une question de survie, de survie de la planète, quoi. Mais en tout cas, la notion de service public du 3e et du 4e âge, c'est quelque chose qui parle parce que finalement, qu'on a comme revenu mensuel qui tombe dans notre compte en banque n'a rien à voir avec notre niveau de vie. Notre niveau de vie s'appuie en France sur la sécurité sociale, les remboursements de soins, sur les allocations familiales, sur un certain nombre de dispositifs, sur l'école publique. Donc, le salaire brut et du salaire super brut. Super brut, ouais. L'écosystème social. Puis l'héritage, le patrimoine collectif. Voilà, parce qu'un revenu égal un Français et un Américain, le Français a accès à plus de choses qu'un Américain parce qu'il a la gratuité de l'école, la socialisation des frais de l'hôpital, etc. Ouais. Et donc, pardon,
Ce que tu proposes, c'est de socialiser encore plus. Oui, oui, absolument. Oui. Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de débattre. C'est paraît-il qu'il y aurait une limite absolue dans les dépenses publiques et que là, on l'aurait atteint et que ça ne serait pas possible d'avoir plus de dépenses publiques, plus de services publics. Et finalement, on s'aperçoit que les gens, ils ne sont pas. C'est pas une évidence du tout pour eux. Et même, par exemple, sur Radio France, il y en a qui commencent à dire nous, on est prêts à payer un peu plus pour financer la radio publique. Et globalement, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils sont prêts à payer plus d'impôts pour financer les services publics et qui sont beaucoup plus inquiets de voir que l'hôpital public, il n'y a plus assez de personnel dans les locaux, que les profs, ils sont dans des situations épouvantables qui font qu'ils ont du mal à enseigner dans des manières correctes. Enfin, si on prend les services publics un par un, en fait, qui sont tous dans des situations comme ça. Ils sont beaucoup plus inquiets de ça qu'inquiets de l'augmentation des impôts. Puis quand on dit augmentation des impôts, ça dépend aussi sur qui ça tombe. Hein, parce que l'argent, enfin, à nouveau, en France, on n'a jamais été aussi riche collectivement. Alors évidemment, si on dit ça aux gens, ils vont dire bah, non. Non, mais si, en moyenne, oui, mais simplement, c'est accaparé par une petite élite. Quoi. Il y avait quand même une remarque à faire, je veux dire, au plan. Du consensus social et au plan, finalement, du vécu social, des distinctions, des différenciations. Si on se souvient de ce qui se passe en 1936, par exemple, quand les bourgeois voient pour la première fois, avec les congés payés, avec les acquis, les conquêtes du Front populaire, des travailleurs débarquer sur les plages pour profiter de leurs congés payés. C'est un truc qui s'était jamais vu dans l'histoire de France. Et il y a plein de témoignages de l'époque qui disent à quel point cette catégorie infime mais ultra privilégiée donc de la bourgeoisie pour faire simple, était outrée, scandalisée de voir que ces gens-là pouvaient avoir ce type de droit et finalement passer beaucoup moins de temps qu'eux mais un peu de temps quand même à ce que eux, ces bourgeois, occupent beaucoup de temps à faire, c'est-à-dire se reposer, se distraire, profiter de la vie. Je veux dire, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ce scandale justement, le fait qu'il y ait une partie de la population qui vit très bien non seulement avec le fait que la majorité vit mal, pas comme elle, mais en plus considère que c'est pas normal que certains puissent avoir une petite part du gâteau. Il faut tenir compte de ça c'est un élément anthropologique, je veux dire. Et les résistances, tu sais très bien, les résistances au type de modèle que tu proposes, elles seraient ultra violentes. Mais je sais pas, en fait je sais pas, parce que si tu veux, autant dans le monde du travail, il y a tous ces trucs, il faut un tel, moi je mérite plus que l'autre parce que je suis quand même plus efficace, plus performant, plus machin. Au moment de la retraite, bon, ça va quand même être difficile de dire qu'un tel est plus performant que l'autre. Et puis surtout, enfin, les gens ont fini de se battre quand ils arrivent à 60 ans. Et encore une fois, d'abord, la plupart des gens vont y gagner à titre individuel. Si on se place au niveau de la famille, donc du couple, mais même des parents, etc., ils ont encore plus de chances d'y gagner, parce que si eux gagnent bien leur vie, peut-être que leur compagne ou leur compagnon gagnent moins bien leur vie, peut-être que leurs enfants sont en difficulté, etc. Et donc là, ça donne une garantie pour tout le monde. Et puis après, est-ce que vraiment les gens ont besoin de beaucoup plus pour vivre ? Beaucoup moins convaincus. Alors, mais je ne sais pas. Ça mériterait en tout cas d'être. Comme on n'en débat jamais, c'est difficile de savoir ce que pensent les gens, parce qu'on leur impose un cadre de pensée. Moi, je pense que je ne dis pas que c'est la solution et que ça passera forcément, mais je dis au moins mettons-le au débat et réfléchissons si vraiment la seule façon de penser, c'est de se dire, la seule justice qui existerait, c'est de se dire. Si tu as un bon salaire, tu as une bonne retraite. Si tu as un mauvais salaire, tant pis pour toi, tu as une mauvaise retraite. Bon, voilà, d'autres propositions. Qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, je retiens cotisation, que les revenus du capital doivent être également soumis à cotisation. Oui, je pense que ça, c'est une nécessité, oui. C'est la moindre des choses, oui. Mais on va vous dire, les revenus du capital, ils sont mondialisés par essence, il sera difficile de. Bon, ils sont quand même déjà un peu taxés aujourd'hui, il ne faut pas exagérer. Il y a un impôt sur le capital, même s'il est beaucoup plus faible que l'impôt sur les revenus du travail. Mais ça veut dire qu'il faut mettre en place des systèmes, ce qui existe, hein, pour empêcher l'évasion fiscale. Bon, enfin, on ne peut pas renoncer à taxer le capital sous prétexte qu'il pourrait partir. Anne, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses qu'il faudrait que des économistes, des penseurs, des chercheurs comme toi se mettent ensemble pour construire assez rapidement un projet alternatif et peut-être même militer pour qu'il soit tranché, voire plusieurs, et qu'il y ait un vote dessus, tranche. Oui, ça serait vraiment important qu'on arrive à ça. Hein.
Parce que là, on est en train de, c'est vraiment le gros enfumage, quoi. On a commencé à mettre l'écran de fumée des régimes particuliers. Alors maintenant, ils nous vendent les choses en essayant de séparer les jeunes et les vieux, quoi, en gros. Enfin, ceux qui sont, enfin, les jeunes et les vieux, les jeunes et les moins jeunes, ceux qui sont plus ou moins loin du système. Personne n'y comprend rien. Et effectivement, on a le droit de négocier sur rien, en fait. C'est pas possible, quoi. Il existe des solutions alternatives. Je dis pas que celle qu'on propose est la seule, mais au moins qu'on mette ça au débat. Juste, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire dans le système que je propose, c'est-à-dire tout le monde a 60 ans, enfin, où c'est un âge à débattre, donc aurait droit, quelle que soit sa durée de cotisation, etc. Après, il y a la question de la pénibilité, ça, c'est un autre axe d'enfumage. Oui, mais en fait, ça va être, on va améliorer les choses, par exemple, la pénibilité, ils nous l'ont déjà fait, enfin, nous, à EDF, avant, ceux qui avaient de la pénibilité, qui travaillaient en 3-8, la nuit, le week-end, qui montaient au pylône, etc., ils pouvaient partir jusqu'à 5 ans à l'avance, ils avaient fait toute leur carrière, et franchement, ça a un impact important sur l'espérance de vie. Maintenant, c'est 2 ans. Bon, la pénibilité, il faut la prendre en compte. C'est pas pour ça qu'il faut allonger l'espérance de, enfin, reculer l'âge de la retraite de tout le monde, parce que finalement, il recule de tout le monde, et puis pour quelques-uns, il avance, il recule moins, mais finalement, ça n'a pas amélioré. Et je pense aussi que la pénibilité, il faudrait réfléchir. Bon, aujourd'hui, il faut absolument que ça soit pris en compte dans la retraite, mais il y a aussi d'autres réflexions à mener, par exemple une réduction du temps de travail qui pourrait compenser la pénibilité, qui fait que les gens n'arriveraient pas épuisés à la retraite et n'auraient pas une espérance de vie quand même qui est très différente. Hein, je pense que vous l'avez dit plusieurs fois, entre les 5% les plus pauvres et 5% les plus riches, c'est 13 ans d'écart, quoi. En tout cas, ce sont des belles idées. Nous pensons aux médias qu'il faut effectivement, à ce moment de cette lutte, proposer autre chose. C'est pour ça que nous t'avons fait venir. C'est pour ça que nous avons fait venir Bernard Friot. Il faut élargir. Il faut montrer qu'il n'y a pas des personnes qui, quelque part, sur leur montagne, ont l'exclusivité, le monopole de la pensée, mais que chaque citoyen peut émettre des idées. Chaque collectif de citoyens peut construire des propositions. Tu sais qu'il y a un adage médiéval qui dit « Ce qui concerne tout le monde » doit être débattu par tout le monde. C'est une maxime du Moyen-Âge. Et c'est sur ces bonnes paroles qu'on va rendre l'antenne.